petite avancée sur le capot de la coccinelle. Donc deux, trois petits grains de poussière quand même. Il a fallu que il y a deux ou trois moustiques qui viennent se poser sur le capot. Lui, il a ce petit abruti. Je vais vite le virer parce qu'il va vite me saouler. Perception de la pince à épiler. Allez, dégage. Non, ça. Putain. Donc j'ai 2-3 grains de poussière. Hein. De toute façon, je peux pas faire mieux. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pareil pour la coccinelle, ben toujours sur le faisceau. On a essayé de démarrer hier, mais la vis platinée est cuite. J'ai mis 5 litres d'essence dans le réservoir. Donc déjà, le petit check-up des conduites de carburant, c'est bon. Pas de fuite. Demain, si j'ai le temps, eh ben, je vais commencer à faire les purges des freins. Commencer à remplir un peu. Parce que le démarrage et le premier roulage ne va pas tarder. Même si j'ai pas les sièges, perception du petit tabouret qui est là-bas devant l'établi. Puis ça sera très bien comme ça. Ça sera prêt pour un petit essai dans le patelin. Donc voilà, courte vidéo toujours. Hein. Je vous montre un peu le début, puis après je passe vite fait sur TikTok. TikTok, pas mal de gens posent de questions, donc forcément je prends un peu plus de temps à répondre, donc forcément j'avance en même temps. Après la peinture, hein, j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça que j'avance pas énormément en ce moment sur la cox, parce que bien sûr, un souci ne vient jamais tout seul. Donc hein, là c'est un peu hors contexte, mais l'arbre de transmission qui voulait prendre son indépendance, donc tombage du pont arrière, remplacement de tout ce qui est joint, etc. etc. Hein. Donc voilà quoi. Voici le pourquoi, le comment du non avancement de la coccinelle. Thank you.